C'est parti. Merci chauffeur. C'est Bridiem. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, les amis, bah, cette vidéo est... Attendez. Alors là, c'est le live. Oh putain, je vais aller sur mon Twitch. Ça le fait bien. Salut à tous les amis, c'est Briet Game. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis, sur Gone Home. Et voilà, les amis. Alors, Gone Home, qui est disponible sur PS4 il n'y a pas longtemps. C'est un jeu gratuit, je crois. Oui, c'est un jeu gratuit. C'est un jeu d'horreur dans une maison. Après, alors, je ne sais pas plus... Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors... Fichez les sous-titres... c'est quoi pour cocher précédent? Commande. Graphisme. Bon, ça devrait aller. Allez, nouvelle partie. Ouais, ça c'est dans tous les trucs, hein. Vas-y, c'est parti. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Gone Home vous plaira. Là, je suis en live, les amis, alors sur YouTube. N'hésitez pas à checker la chaîne Twitch, hein, dans la description, comme d'habitude. Hein. Dans live, là, tranquillou. Je vous laisse la cinématique, les amis. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really, seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Le 7 juin 1995, 1h du matin. 1h15 du matin. Cathy, j'aurais tant voulu être là pour t'accueillir, mais ce n'est pas possible. Je t'en prie, ne cherche pas à savoir où je suis. Je veux que personne ne sache. Ne t'inquiète pas, on se reverra un jour. Je t'aime, Sam. C'est fermé. C'est un jeu à la première personne. Hein. Ouais. Celle de l'aéroport. Alors je crois que si j'ai compris, c'est nous qui viennent de rentrer là. On était parti à l'aéroport et c'est nous qui sont revenus. Alors là, j'ai le casque à fond, les amis. Je précise bien, hein, c'est un jeu d'horreur. Hein.
Oh, j'aime pas les gens. Oh mon dieu. Oh, l'ambiance du jeu de malade. Vas-y, attendez les amis. Petit problème technique sur le live. Attendez les amis. Petit problème technique. Sous le live là. De toute façon, je couperai tout ça au montage, hein. Ma tablette s'est éteinte. Ma tablette s'est éteinte au même moment que l'orage a tapé dans le jeu. Oh, j'aime pas l'ambiance comme ça, mais... Je vais me mettre dans une partie, cela je... Ouh. Je me sens pas bien, faut qu'il y a du monde qui me rejoint là. Non, je veux pas en mobile. Attendez les amis, hein, sur le live. Hein. Je fais quelques modifications là. Avec mon téléphone, si ma tablette ne veut pas fonctionner. Pas de chance, hein. Et je vous jure, ça fait flipper. Tout de dingue, ça fait flipper. Ouais, re les amis sur YouTube. Office des forêts du comté, garde forestier. Oh, c'est marqué quoi là? On peut pas traduire. C'est pas possible, mon téléphone il veut pas. Qu'est-ce qu'ils ont les téléphones aujourd'hui là? Oh, fait chier. Attendez les amis, je suis en live et... Mon téléphone il veut pas s'allumer. Finale de champion, ok. C'est fermé. Je crois qu'on va éviter d'aller en haut. Ouais, moi je vais éviter d'aller en haut. Alors, Sam Den est ton copain, l'ancien voisin, a appelé. Il aimerait venir voir la nouvelle maison, rappelle-le. Maman Daniel, il est complètement cinglé. Si je fréquentais quand on est petit, on s'est unis que parce que il avait une Nintendo. J'ai fait cette vidéo. Alors dédicace à Quentin Gaming, hein. S'il voit cette vidéo, ben il verra que il va avoir peur. Et ça, les ambiances de jeu comme ça, j'aime pas. Bienvenue, cher nouvel élève. Nous espérons que tu es aussi impatient que... On entend une voix. On entend une voix à l'arrière. Oh my god. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school. And there I am, introducing myself to the class.
and I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Ok. What the fuck? Pourquoi la chaise tombe tout seul? Pourquoi ça tombe tout seul? Là, les amis, je suis pas bien du tout. Lecteur combi, laser disque, compact disque pioneer, oh, télécommandé avec un écran rétroéclairé. Bon, bon à tous, bon à rien, dit le dicton. Eh bien, laissez-moi vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord pour moi. What? Une demande de mi, au calme. Je connais même pas. Vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord pour moi être bon à quelque chose. Ce n'est pas une question de spécialisation, mais plutôt de recherche d'utilité et d'amour du travail bien fait. Et si vous êtes à la recherche d'un lecteur combi LDCD, vous serez heureux d'apprendre que Pioneer partage cette vision. Ok, ok. L'ambiance quand même m'a fait flipper. What? J'ai entendu une ouverture de porte. Là les amis, je flippe hein. N'hésitez pas sur le live à parler. Ceux-là, je suis en train de flipper. Mec, il est anglais, il veut m'ajouter. Ouvrir le dossier. Non, mais ça fait trop de bruit là. Lire la lettre, la lecture, allez, c'est parti. Cher Terence, David m'a demandé de vous écrire au sujet des tests que nous vous avez envoyés ces derniers mois. Honnêtement, d'un point de vue éditorial, il me pose plus de problèmes qu'autre chose. Pour commencer, ils sont censés faire une certaine longueur, ouais c'est ça. Et c'est à vous qu'ils incombent de faire en sorte qu'ils la respectent, pas moi. Ensuite, le nombre croissant de distraction, ouais c'est dur à relire quand même, et d'illogisme rendent la lecture pénible et ils m'obligent à réécrire de nombreux passage afin d'obtenir un contenu utilisable. Les lecteurs de Homme, Titeur Aficionado, je sais pas comment on dit, veulent des informations sur la qualité et les performances du matériel, pas sur vos souvenirs d'enfance. David vous connaît depuis longtemps et c'est lui le patron. Alors je vais vous laisser une chance. À votre place, je lui écrirai un mot aujourd'hui pour le remercier de sa patience et de sa générosité. Allez, plus de voix. Non,
mais s'il te plaît, Laura, j'arrête. Un conseil, jetez un œil à vos premiers articles, ils étaient très bons. Soyez un peu plus inspirés. Tout le monde sera content. Brian Curtwood, Reactor Test on Tether, ACNO Magazine. Ok. Alors là, il y a un code. 451. On va laisser ouvrir, ouvert. Il y a un truc là-dessus. Juste le code barre, nickel. Hein. Histoire vraie, ado et tes dragues. Voilà. Oh, on a un zoom. Ok, on a un zoom. Ok, je crois savoir, c'est ça. Premier truc d'ouvert. Hein. Examiner. Alors, chère madame, cher monsieur Mason. Madame, je vois, monsieur, je crois. Veuillez trouver ses joints l'original du document manuscrit, ainsi qu'une copie d'acte. Tilographié pour vos archives. L'acte notarié sera conservé en notre étude. Une fois de plus, nous vous remercions d'avoir placé votre confiance dans nos services cordialement. Voilà, j'ai fait. Allez, plus rien. J'avais pas aimé ça, non. John Russell ouvrit les yeux et vit les étoiles. Elles brillaient du même éclat que lorsqu'il s'allongeait dans l'herbe du jardin familial, dans le Massachusetts, un endroit dont il était aujourd'hui à des millions de kilomètres. Il cligna des yeux pour en chasser le sommeil, puis regarda à travers le hublot de verre. Renforcé au carbone de la station spatiale. Archimède, oui, il était loin de chez lui, mais le futur avait besoin de lui. J'ai vu qu'il y avait une suite. John Russell eut un haut le cœur. Il avait l'impression d'être complètement Saoul. Je sais pas ce que ça veut dire, Saoul. Est-ce bien, je tenais un bras à côté. Est-ce bien qu'il n'eût pas bu une goutte d'alcool depuis des heures. Ne pouvant réprimer sa nausée, il vomit sur ses pieds nus. Il resta un moment à contempler ses orteils couverts de billes. Ses yeux remontant lentement le long de ses tibias nus. Ses genoux nus. C'est alors ce qu'il réalisa qu'il était entièrement nu. Il leva les yeux et ses derniers rencontrèrent ceux d'une splendide blonde vêtue d'une tunique ajustée en fibre polymère sur une plaque épinglée au tissu qui peignait à contenir sa généreuse poitrine qui peut lire « Agent de transfert de matière ». Puis il perdit connaissance. John Russell avait franchi la faille temporelle par le passé. Seuls des messages avaient pu passer. Maintenant, tout avait changé. What? Changé. Il avait plus. Jamais besoin de lui. Cette fois, altérer le cours du passé ne serait pas suffisant. Les instructions... Ils ont fait des fautes en faisant les traductions. Instructions de C. Lol, allez. Du conseil était clair. Il savait ce dont il avait besoin. Quoi en faire. Oh là là, les traducteurs, ils étaient...
Ils avaient 20 coups, c'est pas possible. Quoi avec deux O? Comment l'assembler? Il fabriqua donc la machine et permettrait à son corps de voyager à travers le temps. Il se tenait maintenant sur le pont du vaisseau d'Archimède, dont il avait été nommé commandant. Sans doute parce que nul autre que lui avait et déjà sauvé la vie du prisonnier à deux reprises. N'était de taille à guider l'équipage vers sa destinée et assurer le salut de la galaxie. Par contre, les traducteurs de ce jeu en français sont pas top. Hein. Ils savent pas apprendre le classeur. Ok, très beau classeur. Hein. On entend marcher. Bon les amis, mais on va se laisser là. Sur cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez une suite, dites dans les commentaires que vous voulez une suite, sinon je ferai peut-être pas. Voilà, dites-moi si vous voulez une suite et à plus pour une autre vidéo. Ciao tout le monde, peace.